Isola, que tu aimes, mais on va mettre de l'eau, je vais me laver. Je demande, ça ne te suffit pas d'avoir déjà pris nos clés. Et toi, tu veux même y nous faire, tu veux y faire de nous tes domestiques. Tu es venu dans la maison, si tu étais mince comme ça, regarde au ventre. Ça va au père que vous parlez comme ça? Au père de qui? Hein? Vous voulez vraiment rester ici? Tu n'as pas ta maison, tu peux pas appeler un autre mec, tu parles la mec aussi dans la maison. Vous voulez vraiment rester ici? Hein? Quoi? Pour ta bonne gouverne, notre père est mort, enterré au paradis. Je suis sûr qu'il souffre même quand il te... Hé, Alti! Quand mon père voit ça... Hé, Awa... Je suis votre père. Père quoi? Je vais vous le prouver. Nous prouve sommes à la messe ici que tu es notre père. Il gagne ce maillot. Tu as les pectoraux, tu manges du jusqu'à Aboukwa et Towel, mon père, Bubala, Awa, voilà. 10 sous. Avec ses babouches, il s'en parle de tout. Si le type s'y vient encore, il s'est dit que. Ok. Moi, je n'aime pas le mépris. Demande à tes filles ce qu'elles me demandent. Je leur demande si on va passer la journée sans manger. Qui a préparé hier? Tout le monde montre le doigt comme ça. Qui propose lui? Les doigts se croisent. Après, on me raconte la vie là comme j'ai. Il fallait qu'il te prenne, qu'il t'amène chez moi. Là, après, il a décidé d'enterrer jusqu'à où il est au paradis. C'est quoi ça? Je demande. Quitte là-bas! Vous prenez ça où? Le mépris là vous sort d'où? Tu racontes quoi même? Mais. Maman, c'est pas question de mépris. Nous tous, on a le cœur. Tu ne peux pas faire que à peine papa meurt. On peut même te consoler, non? Jusqu'à tu es déjà allé porter ce gros type zoif, tu l'as c'est déjà mangé je... là. Non, papa, maman, je te dis la vérité. Si moi ne te dis pas, je ne sais pas la personne qui viendra te conseiller. Le corps de notre père ne s'est même pas encore décomposé dans la tombe. C'est pas possible. Tu es déjà parti ramasser le type ici là. Il est seulement là, il broute. Je suis. Regarde. Et c'est comme ça, chaque nuit, j'entends mon père crier ici là. Je demande, vous êtes qui? Vous êtes qui pour me moraliser? Hey, laissez-moi. Vous êtes qui? Nous sommes tes enfants, maman. Mais vous êtes mes enfants. Vous êtes mes enfants, tu le dis très bien. Et je dis, c'est la dernière fois. Tais-toi, ton gras bouche là. C'est la dernière fois. Si vous ne respectez pas ce monsieur qui est mon chéri. Hein? Parce que vous ne savez pas ce qu'il fait dans ma vie, ce qu'il me fait dans la vie. Je vous dis encore, vous allez partir d'ici. Ah bon? Il te fait quoi? Il me fait quoi? Je viens de vous dire. Non. Vous saurez ce qu'il me fait. À un moment donné, moi, il faut choisir où tu vas avec tes enfants. Moi, je pars. Maintenant, tu es un marabout. Moi, je pars. Non, tu n'as pas besoin de lui demander de faire. Hé, madame! Nous allons partir, maman. Et où est-ce? En vrai? La maman, tu vas aller. Non, il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire. Vous êtes déjà des grandes femmes. Vous êtes déjà des grandes femmes. Ce n'est pas vous qui viendrez me séparer de maman. Toi, tu as besoin d'une puissante délivrance. Hein? Il n'y a pas de choix à faire. Il faut qu'on amène maman le plus. Elle chauffe quoi? Elle est en santé. Où elle est là? Elle sait ce qu'elle fait. Allez me mettre le logement là. Si vous ne voulez pas, vous partez d'ici. Ça, c'est l'effet du planteur. Hey. Ah oui, le bon planteur, j'assume. Non, est-ce qu'un oncle pavé d'avoir un gros banc? Tu penses que son planteur peut faire quoi? Est-ce que vous critiquez mon âme? Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est mon goût. C'est mon goût. S'abonnez-vous.